Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Alex59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Skyforge épisode suivant, donc le cinquième épisode de ce jeu. La dernière fois on avait fait une petite vidéo de 17-20 minutes, c'est assez court pour parler un petit peu de l'avancement de ce let's play, de cette chaîne aussi. Je voulais parler sur Skyforge puisque c'est un free-to-play et qu'on a un peu le temps d'y jouer tranquille. Donc aujourd'hui l'épisode 5. Pourquoi l'épisode 5 ? Pourquoi l'épisode 5 ? Parce que j'adore ce jeu, comme je vous l'ai dit, je kiffe ce jeu. Et je suis prêt à continuer un moment encore. Donc là on a la récompense du jour si je me trompe pas. Comme je vous l'ai dit, je joue à peu près tous les deux jours. Là, ça faisait deux jours que j'ai pas joué au jeu. J'avais joué samedi. Ok, donc du coup, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 et on va aller sur la planète Namek. Non, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui on va aller. Donc ils disent avoir une monture, on n'a pas de monture donc ça on s'en fout. Donc on va faire l'aventure de l'île Toki, on avait déjà commencé, rappelez-vous. On va retourner là-bas ou c'est pas enregistré comme ça, ça se passe comment? Ok, donc les amis, on retourne sur l'île Toki, on avait commencé, rappelez-vous, la mission là-bas. Mais on a dit qu'on allait finir au prochain épisode. Et qu'on allait un petit peu essayer d'avancer l'histoire principale pour l'instant. Par la suite, on essaiera peut-être de refaire un rang supérieur les autres missions. Pour gagner plus de trucs et tout. Pour l'instant, pour faire découvrir l'histoire et découvrir les nouveaux monstres et tout pour vous avoir du nouveau gameplay quoi. Ouais, on doit leur parler. Oh, putain. Je sais, on m'a déjà raconté l'histoire, ça. Ça m'avait déjà raconté l'histoire. Donc là, il y a des bêtes qui sont fait tuer. Ok, on va devoir affronter le boss et tout. Ah. Parti. Hop, on fait ménage, allez. Hop. Hop, hop, hop. Nickel. On prend la récompense et on avance. Ok, donc du coup, ici, on va faire des petites roulades. Hop. Hop, c'est parti. Ça dégage. On prend des bonus. Hop, on se met au milieu pour faire pas si de dégâts. On subit de la bête la plus puissante du terrain. Hop, c'est bon, on l'a eu. Ok, on progresse. Hop, coup de tonnerre, ils aiment pas. Hein. Vous l'avez vu, les coups de tonnerre, ils aiment pas ça, c'est bête. Elles aiment pas ça, c'est cool, mais on le saura. Donc ici, ouais, ici, on va faire un gros ménage. Wow. Hop. Olé, ça dégage. Et hop, ça détruit. Ok, on a réussi à les avoir. Nickel. Donc on est à 80 mètres, on est bientôt arrivé. Donc là on a la Shaman Girl. Ok. Ah, on le voit avec son bâton, c'est un Shaman. Il a plus de barre de vie, hein. Vous avez une petite barre de vie quand même. Hop. 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 Ça y est, ça part. Ok, il y a des ennemis dans la zone. On fait une technique spéciale. Ok. Hop. R2. Ouais, non, ta chance de gagner a été réduite. Hein. Ça, c'est obligé. Ok, zone de reconnaissance. Donc là, c'est le boss qu'on avait affronté la dernière fois, rappelez-vous. Allez, c'est parti. Hop, hop, allez, on fait un maximum de dégâts, les amis. On va essayer de récupérer un maximum aussi de points. Ouais, on prend des dégâts de feu, clairement, il faut qu'on bouge. Hop, allez, on va faire un maximum de dégâts, les amis. Rappelez-vous, j'ai dit que c'était classe avec Sildred et tout. Vraiment, il est classe ce méchant. Hop. Allez, on a fait la moitié des dégâts là. Hop. Prends un combat à la boot band, c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Hop. Allez, continue.
En vrai, faut avoir des techniques spéciales, hein, je sais pas si vous captez, mais on récupère des points de compétences spéciales. Hop. Allez, on fait maximum de dégâts, les amis. Hop. Allez, on le fait, on continue. Ok, il a encore craché un truc. Oh, il y a son bâton, il est enflammé, faut faire attention surtout parce qu'il va mettre le feu partout, regardez. Allez, on l'attend. Hop. Allez, c'est parti, là. Bientôt on va finir la phase de combat et d'attaque. Hop. Hop, allez, on continue à faire un maximum de dégâts. Hop. On récupère ça. On va essayer de faire une attaque spéciale. Non, c'est bon, là, il est tout mort. On va prendre un bouclier. Et hop, on l'achève. Allez, on récupère notre récompense. Monture. Oh, oh, nickel. On a gagné une monture. Ouais, on va continuer l'exploration, mais attendez. Prendre une nouvelle aptitude. On a débloqué, ouais. Ok, on a débloqué quoi comme aptitude? Attendez, laisse-moi lire. Vague de sainteté. De sainteté, pardon. Inflige 686 points de dégâts en quelques secondes à tous les ennemis situés dans un vaste rayon autour du paladin. Provoque les ennemis et les pousse à attaquer le paladin pendant la durée de l'aptitude plus de 3 secondes. Ouais, ok, nickel. Oh. Obtenir quête. Ok, ouais, faut continuer les quêtes comme ça, c'est cool. Donc on va avoir monture. Donc on a débloqué une monture, mais laquelle? Je veux voir. J'ai vu, on a débloqué monture, mais on l'a où? Je sais pas du tout c'est laquelle. Vous l'avez vu comme moi, les amis, hein. On a bien vu monture sur la carte. Donc on a bloqué une monture, mais on la voit pas. Comment on prend une monture? Il suffit de débloquer une monture, là on peut pas les avoir. On regardera après. On regardera après. Sur la carte, est-ce que c'est par là la suite? Ah, attendez, la carte c'est là. Oui. Oui, c'est par là. Ok, on va continuer un petit peu les amis. Je vais progresser juste pour finir l'île Toki quand même. Hop. Ok, nickel. Je pensais que ça se gardait quand on faisait une île, en vrai il faut la finir à chaque fois, c'est chiant. Je pensais pas qu'il fallait la finir à chaque fois. Fait peur. Go! Ménage! Ok, on a fait ménage, on a fait ménage. On a nos récompenses. Ok, là-bas. Il y a du sang ici, faut attention. Il y a du sang partout, c'est que c'est pas... C'est moi, on dirait que les bêtes sont plus puissantes. On dirait qu'ils ont plus de barres de vie, regardez, ils ont une barre de vie assez importante. Hop. Allez. Voilà, faut l'avoir. Oh, nickel. Ok, on a eu un bâton. On va tester le bâton. C'est parti, le prochain ennemi qui me fait chier là, il y a un bâton dans la tête. Hop! Ça doit prendre droit de me faire chier. Ok. Ok, là-bas y'a rien. Ok, c'est parti. Attaque! Oh, je fais pas mal de dégâts lui, faut faire attention. Ouais, c'est pas mal de dégâts! Wow, attendez. Toi, ce sont des bêtes assez puissantes là, vous mentir. Wow. Wow, les amis. Wow, j'ai cru que j'allais mourir. Vous avez vu les bêtes comme on fait pas mal de dégâts là? C'est quoi ça? Il y a une bête qui m'a attaqué limite. Ok, continue l'exploration. Donc ici il y a un truc, on va voir ce que c'est.
La carte. La carte, la carte. Parce qu'il y a ici. Oh ouais, ici on arrive dans une zone un peu chelou. Je sens pas du tout. Allez, rends-toi, espèce de ville maintenant. Allez, on a fait pas le dégâts déjà. Il est où? Et c'est barré. Vous avez vu les amis, c'est barré. Faut pas trop m'éloigner. Il va revenir, hein, mais il est parti cacher. Ouais, c'est une top. T'as mis une top avec des griffes. Ok, il est où? Ok, il faut mettre 3 coups avant de faire un coup de tonnerre. Hop. Hop, on m'en met un petit coup bouclier. Ok, dernière barre de vie. Et on l'a eu. On a eu le boss. Ok, nickel. Ouais. Allez au centre de l'île. Waouh. Voilà, au centre de l'île. Ok. C'est parti pour aller au centre de l'île. Aujourd'hui, on fait du toki, hein, les amis. C'est normal que si j'ai beaucoup de temps ici. Hop, ça fait des dégâts. Ok. Ok, nickel, on l'a eu. On prend la récompense. Ok, là, il y a des ennemis. Go. Ah, il y a encore lui, là, qui est chiant, là. Ok. Hop. Hop, on fait un maximum de dégâts les amis. Toi t'es mort. Et lui se redonne de la vie on dirait. Faire attention. Ok on les a eu. Nickel. C'est pas facile mais on les a eu. Ok là on est prêt. Non on est pas encore. Allez. Pas mal de dégâts lui. On soulève point américain. Waouh, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, j'ai débloqué. Ok, ici, on approche du centre de l'île. Hop, je pense que le vrai boss il est au milieu de l'île, ou peut-être plus loin. On n'est pas encore arrivé. Ok, on l'a eu. Ouais, c'est un jeu de technique, faut faire attention. Une récompense, monture. C'est Casson qui nous donne une récompense, monture, on n'a même pas la monture. Ok, cinématique. Oh, c'est l'araignée qu'on avait dans la cinématique. Rappelez-vous que dans le chargement, on avait vu un boss. Le boss. Cette créature a tout nourri des cadavres. Ouais, t'inquiète. Encore après un nouveau truc. Ok, c'est parti. Ouh, il va être fort, je le sens. Allez, pas de blague. Ok. Prenons notre temps. On n'est pas pressé. Allez, on prend notre temps, on n'est pas pressé, les amis. Il y a un paladin dans l'araignée, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, hein. C'est lui qu'on essaie d'avoir surtout. Hop. Wow, il manque mon bouclier. Faire attention. En plus on voit des ombres cheloues, faire attention. Hop. On l'a eu. On a eu le boss principal du jeu, je pense. Cinématique. Vous vous souvenez de nous?
Attendez, c'est pas le fossoyeur qu'on a vu là? Ok. Hop. Allez. Ah, ils me connaissent pas, hein. Je suis entraîné dur, moi, pour me battre. Il t'en va. Il s'enfuit. Non. Allez-vous commencer sans moi? Oh! C'est Yona. Enfin, il a... Ah oui! Ah non, c'est qui? Je vais vous tuer tous les deux et quand vous reviendrez. Le fossoyeur il est là. Et mes amis, c'est le fossoyeur en vrai lui. Wouah! Parlez-vous! Regardez! C'est le Fossoyeur, c'est celui qui nous a fait du mal au début du jeu. Tout début du free to play. On va pas l'affronter maintenant, je pense. Hein. C'est pas le grand boss. Tu t'enfuis. C'est obligé. Bon, on va parler à Zintara, je sais pas qui. Pourquoi elle est venue nous aider, elle. Elle est bien jouée à elle, en tout cas. Non, il tentait pas, non, on l'a vu. Déjà? On va dire l'affronter, le Fossoyeur? Non. Combattez vos sœurs, aidez les mortels et croiront en vous. Pas de soucis, pote. Pas de soucis, l'assistant, ouais, on va voir ça. On verra ce que ça le part grandira alors. Yeah. Non, vous ne vous êtes pas présenté, puis je vous donne votre nom. Zintara. Zintara. Ah ouais, pourquoi vous n'êtes pas allié à. Vous n'êtes pas allié à Ilana et tout là. Ok. Donc vous allez à nous. Hein. L'histoire d'Alion vous sont vraiment disponibles. Vous pourrez en découvrir plus à propos de l'histoire d'Alion dans l'onglet histoire et dans la section campagne. Alion c'est le fossoyeur. Donc on va récupérer notre récompense, évidemment. Quête terminée. Bien joué les gars. On a bien joué là. On a bien joué. Et on retourne donc du coup sur notre île. Là on s'entraîne, on se bat et tout. Et on va se laisser là-bas les amis, on va se laisser dans 2-3 minutes. C'était un très bel épisode, hein. C'était court, moi je fais pas des gros épisodes sur ce jeu, sur ce free to play, mais bon. Au moins on découvre à petit feu le jeu ensemble. Quête terminée, donc nickel hein, en tout cas les amis, on a bien joué ensemble, on progresse petit à petit. Donc là on a Riva. J'ai une bonne nouvelle, des mortels reconnaissants ont érigé un sanctuaire en votre honneur. Ah, oh, nickel, merci. Sélectionnez l'onglet de la capitale dans le menu campagne et ouvrez la cathédrale. Ok, encore un nouvel onglet. Cathédrale. La capitale. La cathédrale. Bon, on va y aller. Plus vous avez de fidèles, plus vous avez de puissance. Obtenez de nouveaux fidèles en menant des rituels en libérant des territoires occupés. La cathédrale est l'endroit où se rassemblent les mortels d'Aelion pour vous vénérer et déposer des offrandes. Plus vous êtes fidèle, plus vous êtes puissant. Rituel 3000, vas-y. Plus 19 fidèles. Moi, je sais pas à quoi ça sert, mais on va dire que ça sert. La récompense. On est donc Ildil d'Alakur, c'est le prochain lieu. Vous avez reçu un reliquaire, servez-vous-en. Il contient des ressources et d'autres objets utiles. Et là, on va regarder dans l'équipement ce qu'on a récupéré depuis le début, là, dans notre inventaire. Sac. Donc c'est ça le reliquaire, ouais, reliquaire niveau 1. Faites un double clic sur le reliquaire pour l'ouvrir. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai des points de prestige. Ok, nickel. Wow. Attendez, je regarde un petit peu. De prendre les armes, ok, nickel, nickel. Tenue de vacances. Il faut bien regarder mon inventaire là, mon truc à moi.
équipement, voilà. C'est ici qu'on va s'équiper. Alors, ouais. Nickel, nickel, nickel. Alors, l'équerre, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Bref, les amis, nous, on va cesser là pour aujourd'hui. On va cesser là, on a bien avancé. Prochaine fois, attendez. Prochaine fois, l'île d'Alacur. C'est la prochaine île, c'est l'île qui est juste ici. Ça m'a l'air d'être la dernière île. Ça m'a l'air d'être la dernière île. Avant d'aller au plateau de Panthéra. De Panthéan. De Panthéan. Panthéan qui a l'air d'être un peu plus grande. Il a l'air d'avoir Kyris, Fort Kyris. Bon, qu'est-ce qui se passe? Attendez. On va arrêter de faire des souffles devant là. Bref, les amis, nous, c'est là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo si vous aimez bien ce free-to-play. Si vous avez bien aimé cet épisode avec l'île de Doki. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment on peut avoir une monture, par exemple. Ou me donner des conseils sur le free-to-play, comment bien avancer dans le jeu. Moi, je trouve que dans le mode histoire, c'est une bonne avancée. Et un petit abonnement si vous voulez voir d'autres let's play, nouveautés, démos, free-to-play. Tout ça sur ma chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera donc pour le sixième épisode de l'aventure de Street to Play sur Skyforge. Bref, je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouvera pour l'épisode 6 ou 7. Non, 6. Ciao tout le monde.